Et l'un de leurs sœurs, avait l'ami. Et l'un de leurs sœurs, avait l'ami. Il fait beau à Paris. Moi, je voyageais. Connexion, connexion, connexion. J'ai dit que je voyageais. N'est-ce pas, les gens font la gueule ici dehors. Mais il veut que bon, fais attention. Hein. On est venu en Europe en détail. Hein. Ici, la famille, c'est toi qui fais ta propre famille ici. Hein. Connaissez-vous, connaissez-vous, connaissez-vous. J'écoute d'abord la musique.
Que pour moi, tarde souvent. Maman. Connexion, connexion. Allez, piper les voisins. Parce qu'avec moi, ce n'est pas petit à faire, hein. Comme les gens croient que je suis encore celle qu'on peut influencer en France. Connectez-vous. Ah. Des Socrates. Ah, il faut le chapeau. On va parler aujourd'hui parce que, comme je vous ai parlé hier, moi j'ai dit que moi je voyage. Donc. Parce que la gueule, les gens font tout la gueule ici dehors. Vous comprenez, non? Moi je vous ai dit que moi je suis dans le sous, dans le noir. Moi, je n'ai peur de personne, les gens ne me croient plus. Il fait tellement chaud. Ah, je vais me défendre de sangler mon pain. Hein. J'ai été chaud. Mais je porte le deux nus sans soutien parce que je suis une belle femme. Pourquoi? Ça vous dérange? Attendez, je vous montre bien. Je vais commencer. Et on vous a dit que nous sommes tous des stars dans cet appareil. Pourquoi? Mais j'ai les seins debout, debout. J'ai les trucs convaincants. Il y a quoi? La veuve d'Aigrémont, anti-Anna. Amougou, regardez-moi. On vous a dit que c'est pas plaisir, c'est tombé. C'est debout, debout. L'élégance de ça. On est ensemble, Lima. Attendez d'abord. Je ne veux pas d'abord commencer par le problème. Donc, on retourne d'abord s'asseoir.
Parce que je veux bien vous expliquer. Ne riez pas trop, parce que vous aurez la diarrhée ici. Moi, je suis une femme joyeuse. Quand tu me rends joyeuse, je suis joyeuse. Et tu sais que je dois aller voir. Allez, me go to airport. Je vais aller voyager là. Je m'en vais faire tout. L'histoire, c'est. Je vous explique très bien. Je suis encore lucide là. Parce qu'après, on va aller en couille comme d'habitude. J'ai appelé ma soeur, mon ancienne soeur Eva Song. Je suis ici là. J'étais amie avec un ami ici à Facebook. Il me dit que ma. Les gens me disent, ouais, Mobile on device va. not found. Ready to connect. Que quoi? Ils disent que quoi? Ah oui, il faut d'abord mettre un peu la musique avant de commencer, n'est-ce pas? Very checking, c'est ça, il faut mettre la musique. Oh, je voulais j'ai entamé. Bon, on va mettre d'abord. C'est vrai qu'on doit mettre les musiques. Parce que je n'aime pas. Moi, je veux les. Comment on appelle ça? Je veux le retour. Le retour de ça. Parce que moi, je suis une femme gentille tellement que moi-même. Et je perds le temps. Parce que je prends le temps pour dire aux gens que, ouais, ma, calme-toi, 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 calme-toi. Parce qu'il faut qu'on mette la musique. On a dit que vous voulez checker. Ready to connect. Attends, 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 je vais mettre la musique. Parce que moi, je n'ai pas ici à la maison. Tout le monde me commande ici. Je vais te jeter par la fenêtre aussi, toi-même, si tu me commandes. Attends. Comme c'est un lundi. On est toujours gentil. C'est très gentil, très humble. J'ai voyagé avec lui une fois dans l'avion. Bref. Ils sont serrés, ils commencent à croire là aussi. Non, peut-être que je rêve. Bon, bonjour, les Warriors. Je vous parle là à cœur ouvert. Âme sensible s'abstenir. Je suis ici à Facebook pendant le confinement, le premier confinement qui a fait 3 mois ici là. Que j'ai bavardé tous les jours ici, quand on connaissait mon île, avec Namango, quand Namango est venu, bébé ici. Maintenant, je me suis dit que je suis seul ici, ouais. Mes enfants disent qu'ils partent. Je suis ici. Ah! Fais mes vidéos, les assauts finales et tout, et tout, et tout. À Facebook, il y a un gars qui me contacte, il me dit que. Il y a Eva qui va mal. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Qui va mal, apparemment elle n'est plus avec son gars, parce qu'elle n'est pas mariée depuis 20 ans. Hein. Je lui dis, mais elle est où? Ça fait même longtemps, ouais. Même si on a quand même eu des problèmes, mais ça serait quand même mieux que pour l'instant. Je lui tends un coup de main. Parce que ça, c'est ma dernière vidéo sur toi. Je vais être très dur. C'est comme ça alors que. Il s'appelle Kenzo. Bref, c'était le nom. Hein. Kenzo, ouais. Kenzo, s'il te plaît. J'apprends quoi? Parce que moi, je ne savais pas qu'elle était en contact avec Kenzo. Mais le fait que je vois qu'elle commentait chez Kenzo, du coup, je dis, ah, c'est ce que Kenzo peut avoir de ses nouvelles. Je demande son numéro de téléphone à. Puis je l'appelle mouf, imbécile. Donc je parle mes choses ici, je dois parler du prince aimé. Ça me regarde. Lent, non, aussi lent. Si tu viens recommander ici, je te bloque. Écoutez-moi, mes warriors. Moi, je parle à mes vrais gens.
Ce n'est pas les pauvres gens comme vous, les gens qui vont venir me détruire, ils vont me détourner ici, là. Moi, je vous bloque parce que moi, je suis sans pitié. Vous connaissez, non? C'est comme ça là, que Kenzo me dit, j'ai parlé avec Kenzo, que ouais. Kenzo me dit que vraiment, Kenzo vient alors ici, avec elle. Quand tu atterris ici, elle atterrit ici, elle atterrit avec sa fille, son fils, même sa fille était tout le que donc c'est ici. Que tu m'amènes chez la femme ici. Quand tu atterris ici, j'ai été accueilli. Tu es avec tes copines. Tu es avec ce que tu dis. Mais pas maintenant chez eux. J'étais pris ici parce qu'ils avaient pitié de toi. Quand tu errais dehors là, avec les plastiques, les sacs plastiques, les sacs bandjok. Quand tu partais là-bas pour faire la pute là-bas, on appelle ça comment? À Villeneuve-Saint-Georges. Putain. Tu l'as Villeneuve-Saint-Georges, ma soeur. Est-ce qu'une fille qui a connu la grande vie va aller faire l'importune à Villeneuve-Saint-Georges dans une maison qui ne t'appartient pas? Que la femme l'avait vu le Covid. Je ne sais pas. Tu es dans la racaille. La racaille, tu es resté ici. Soumis bien. Tout se passait bien. Quand tu donnes que tu touches RSA, mais moi je me demande quel RSA tu peux toucher. Vu que ta carte de séjour, tu n'as plus la carte de séjour, tu n'as plus. Enfin bref. Bien. Après, comment ça sortir, 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 fais des trucs dehors, maman, tu viens, bébé qui? Si tu es dans une maison avec une personne, maman, tu cherches ta quelque chose, tu vas demander à qui? Tu dois demander la personne qui est avec toi, non? Tu es arrivé ici. La coco, la coco, la coco, la coco, la coco. Oh, coco, maman. La maison s'est devenue que rasma, rasma, rasma. Il manquait seulement un peu comme l'être humain tapé le tam-tam dans la maison aussi. Tu peux me dire ce que tu as fait ici. Même le bon Dieu, j'ai dit que le tac ma main on se tape. Même le bon Dieu ne peut pas te pardonner. Ah, moi, tu as respecté mes enfants. Qu'est-ce que tu as fait ici? J'étais seulement là. J'étais comme ça, j'étais seulement que. Hey! Tu crois que j'avais peur de toi? Hein? J'étais bien dit. On est parlé chez une de tes copines là. Que j'étais bien dit. Ta bouche parle, ça sort comme ça sort. Les gens te fuient. Et tu dis que les gens me fuient. Moi, personne ne me fuit parce que moi, je ne les fréquente pas. Ce n'est pas mon milieu. C'est le milieu de la racaille. Le milieu de cocaïne, le milieu des de pauvres gens. Que quand ils ont encore un peu d'argent, ils prennent ici. Quelqu'un parle, ils croient qu'il est comme ça. Quand ça finit, hein? Tout le monde se met à côté comme ça. Je marche, j'ai besoin de marcher avec les qui? Les pauvres misérables femmes qui n'ont rien dans leur vie, qui vivent dans les foyers, qui attendent le RSA par mois, qui. Moi, je ne peux pas encore commander. Où vont les missions ici? Regarde-toi là aujourd'hui. Ma chère sœur. Ma sœur. Regarde ta vie. Regarde ta vie se limite à ça. Tu es chez qui? Parce que j'ai dit que je vais mettre ça tout à l'heure. Regarde. Voilà alors, voilà tes petits parfums. Voilà tes petits vêtements. Tu connais ça, non? Que tu portes tous les jours quand tu marches devant moi. Voilà un. J'ai retiré mes matelas. Je n'ai pas encore. Je n'ai pas. Je montre la même chose tous les jours. Regarde, voilà tes petites pauvres chaussures. Voilà. D'abord, ça, c'est mon drap ici. Tout ça là. Je veux, tu vas, ça, c'est pour toi. La couette qui est en bas là, ça doit rester ici. Voilà ta vie. Donc, rien ne me la mine tant. Voilà ça. Voilà tes petits pauvres trucs ici. Voilà ta misérable vie ici. L'habituation de ça. Voilà la télévision. Voilà ce que tu avais ici comme vue. Parce que vous aimez entendre ici en France. Quelqu'un t'ouvre la porte. Tu vivais dans les ponts, sous les ponts. Tu veux menacer qui? Hein? Regarde ce que tu avais. C'est ici, c'est ici. Regarde. Ah, c'est chez moi, non? Voilà, tout est fait là-bas. Tu as vu la vue que tu avais? Nulle personne n'avait cette vue. Je n'étais rien fait dans la vie. Tu vivais avec mon harmonie ici. Les problèmes, matin, midi et soir. Mon Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Voilà alors ça. Voilà mon école là-bas où je travaille souvent ici. La cantine, ici. Je fais la cantine ici. L'autre est là-bas. Ça, c'est une pièce ici en bas de chez moi. Hein? Voilà alors ton lit. Viens mettre le lit ici.
Voilà ta misérable vie. Les petites choses là, voilà tes petites choses ici là, que tu portes. Parce que comme tu dis que tu vas me tuer. Viens, je montre comment tu vas me tuer. Voilà ta vie. Je dis, je vais te faire. Tu crois que tu étais arrivé où? Voilà, c'est ici. Voilà la vie des femmes qui parlent fort à Facebook. Qui montrent qui sont les gens à Facebook. Voilà ça, je montre très bien. Voilà ça. Ça, c'est mon miroir. Hein. Ça m'appartient. Voici ta table ici. Regarde-moi ça. Viens! Ça, c'est à moi. Hein. C'est mon vent de s'en venir ici. Tu viens prendre tes petites choses ici que tu as ramassées en haut là-bas. Tu viens prendre ça là. Ça m'appartient. La plupart des choses comme ça m'appartiennent ici. Les parfums ici m'appartiennent. Viens, viens. Ça là, c'est à moi. Ça c'est mon truc de sac là. Viens prendre. Vous allez dire que, oh, la veuve est méchante. Parce que tu vis avec une personne dans une maison. Regarde, depuis le côté de mon oreille, si ça va déjà chaque jour, bim, bim, voilà ça. Viens encore faire bim ici, aucun respect. Non, je suis dans ma pauvre misérable vie. J'ai hébergé les filles ici. Ceux qui me disent bonjour, ceux qui me disent pas, tu es venu ici pour venir faire quoi ici chez moi? Tu es venu ici. Quand je t'ai vu, tu dormais sur le pont. Et tu viens me parler. Tu me grondais chez moi. En plein direct, tu dis que tu parles à qui? Tu parles à qui? Viens. Depuis, je t'attends là pour venir prendre tes misérables choses. Ne m'appelez pas, hein. Parce que je veux faire les salaces. Viens alors prendre. Viens. Mais quand on te tente, tu croyais que quand j'ai enlevé mes chaussures, mais que tu allais venir encore rester ici avec moi. Voilà là, les Camerounaises. N'est-ce pas toi aussi? Mon mari est mort, hein, il y a 9 ans. Toi, tu n'es pas marié. Il habite ici, à Courbevoie. Pourquoi tu n'es pas plus là-bas? Ta violence. Ta violence. Voilà ta violence. Voilà ta violence qui t'a apporté à être dehors aujourd'hui. Tu dors sur les ponts. Je t'ai tendu la main. Tu as manqué à manger ici. Tu as manqué à boire ici. Tu as manqué quoi dans cette maison? Tu me manques de respect. Tu me parles jusqu'à ce que les poussières sortent de ta putain de sale bouche comme ça. Jusqu'à ce que tu me pousses comme ça. Hein? Ah non, Camerounaise. Tu connais tout, tu sais tout. Jusqu'à ce que tu ne sais pas quand tu peux quitter ici, je reste ici. Je ne te prends pas. Tu veux rester chez qui? Ah non. Je suis là, j'ai monté ta misérable vie. 40 ans de vie avec. Voilà ta part qui se résume. Viens prendre tes choses, tu pars de chez moi. Parce que regarde. Depuis hier, je te dis ça fait bien prendre ta main. Hein? Je veux prendre le mauvais côté. Parce que nous ne sommes pas dans le courant. Donc, pour que tu prends la tête, c'est des gens dingues. Tu manques à manger ici. Tu manques quoi? Ici, c'est moi qui fais le ménage. C'est moi qui descends les bouteilles. C'est moi qui descends les poubelles. Tu es ici comme une reine. Tu passes ici, tu fais comme ça. Chez moi. Il dit que je veux t'avoir. Parce que tu ne me connais pas très bien. Moi, j'ai vendu mon cœur au diable depuis des années, tu ne connais pas. Parce que le mal que les gens me font, moi, je garde ça à moi. Et je dis que le jour où je peux attraper quelqu'un pour faire du mal, j'attrape. Tu pars, tu vas me tuer. Mais quand tu parles, je dis, Emma, je te pose une question. Hein? Quand tu parles de moi chez tes copines là, elles te regardent comment? Elles te parlent comment? Quand tu parles de moi. Parce que tu penses que tu veux tuer quelqu'un, tu veux faire ceci. Tu me dénigres, tu dénigres là où tu vis, là où tu dors. Viens alors dormir encore. Depuis 3 jours, je t'attends ici que tu viens prendre tes affaires. Viens encore sonner ici si tu es une femme.
Bref, je ne m'en vais pas en envers à l'endroit. Quand elle arrive ici, non, elle m'a dit que ouais, non, je veux faire mon passeport. Parce que je n'ai plus les cartes de séjour. Et moi, je dis maintenant que, ok, laisse-la. Elle avait son argent, hein. Elle n'est peut-être pas la plus chez moi. Hein. Son argent. Quand l'argent arrive maintenant, je dis que, mais, c'est ce qu'on est en Covid, mais, pour faire le passeport, on demande quand même la carte d'identité. Il fallait faire le passeport. Depuis là, les gens font le passeport, les gens font tout rien. Ta carte de séjour est finie depuis 2000 ou c'est 2000 combien. Et rien, tu ne veux rien faire dans la vie. Tu vois, c'est une personne que tu vis avec elle, mais elle te donne des conseils, des bons conseils. Hein. Mais en même temps, elle veut que ton cerveau retourne derrière. Fais ceci. Maman, tu peux m'envoyer? Tu es malade là. Tu sais où? Tu sais que tu es chez une stampe à Qatar. Et moi, je ne donne pas le bon à n'importe qui. Quand tu me manques de respect, je te fais ça à l'envers. Voilà alors ta misérable vie qui est ici. Viens faire la force. Je t'attends ici. Viens sonner à quoi ici que nous rap. Tu vois que si je sors d'ici, je ne suis pas. Je suis prête pour toi, mais tu vas bagarrer avec qui? C'est ta vie. Le nombre de gens qui sont venus te baiser ici, là. Dans mes deux matelas, là, que j'ai jetés là. Et j'ai pitié de toi. Pourquoi ton gars là, même si vous êtes en bon terme, pourquoi tu ne laisses pas entrer là-bas? La violence, les bagarres tous les jours. Tu l'insultes, tu fais ceci, tu prends les couteaux, tu prends les ciseaux, tu te tailles avec toi-même, tu fais ceci, c'est quoi? C'est obligé de prendre la cocaïne. C'est obligé. Moi, je ne suis pas dedans. Appelle ça, ma fille, j'appelle, dis donc, va faire tes histoires là-bas. Le phoque du saut. Dégage. Hey! Ma! Yeah! Je suis là, I am the plate pour tout n'importe qui. Viens, je t'attends ici parce que moi je voyage. Et tu crois que quand je voyage, tu vas venir faire les pluies ici. Tu ne peux même pas arriver ici. N'essaye même pas parce que c'est maintenant. Hein. C'est maintenant ou jamais moi je prends tes choses, je fous à la poubelle. La chambre est devenue la chambre de maman. Aucun respect. Écoute, écoute, écoute. Attends, je vais porter tes choses que tu fais. Là, c'est ici. Tes chaussures ici. Voilà, c'est chaussures de bénédiction ici. Je porte ça, c'est ça pour maman. Maman, écoutez, dans la journée, pour rien, elle porte ça. Fais ça, tu fais à qui? Tu veux me rendre dingue dans cette maison? Aïe! Importe ça, tout voilà les chaussures de. J'ai encore porté ça. Ça là. Maman, il faut voir comment elle fait les nyangas devant moi. Il dit, hey. Je demande que, mais. On a même dit quoi la femme si. Ou c'est parce que depuis que je suis ici, elle ne voit pas que j'ai un copain qui vient de temps en temps, quelque chose. Elle ne me connaît pas. Ah! Vous ne pouvez, jusqu'à dire que les colocataires ici, colocataires dans cette maison, tu es colocataire ici. Hein? La maison, si on appelle la maison Esa Danger, ici c'est la maison Esa Danger, parce que la maison c'est non seulement en bas. Ne me laisse pas là-bas en bas. Toi, tu veux me tuer ici, ma soeur. Maintenant, alors, viens prendre ta. Si tu venais prendre tes choses de plus, que je ne fais pas ce que je fais là. Maman, elle marche. Maman, mon frigo aussi. Parfois, elle sort. Je dors. Hein. Elle va mettre quelque chose là-bas au four. Maman, j'entends seulement l'odeur. Tu m'as fait. Tu l'as mis au quelque chose. Non, je n'ai rien mis. Après, ah, j'ai mis. Tu dis que, mais je suis ici, moi, je dors. Ce n'est pas pour rien que je dors dans les canapés ici. C'est pour comprendre là où la bombe va arriver. Parce que ce que j'ai eu dans cette maison, la boîte de nuit, ici. Gadou, mais c'est gadou. Alors, si on met où c'est gadou,
Benegado, la nuit arrive alors. Yasma. La boîte de nuit, ma maison de bain, une boîte de nuit. Le manque de respect de ça, chaque temps, chaque jour. Tu parlais vivre où? Et fais ce que tu as fait ici. Même chez toi. Je suis là, je regarde la télévision, là. Elle ouvre la porte aussi. Elle met sa musique là, pour que je regarde. Et moi, je suis seulement concentré. Je voulais seulement que tu... Si tu descendais seulement le premier jour, seulement pour aller payer les tomates. Est-ce que tu vas rester avec les tomates la main comme ça? Tu allais réfléchir. Tu ne peux plus monter ici. Tu ne peux plus monter dans cette maison. Même si je suis mauvaise comme quoi. On va dire, oui, elle ramène ses copines à Facebook. Oui. Mais c'est quand je dis que le monstre là, c'est dans ma tête. Regarde. Maman, elle a pris cette autonomie ici que maman, elle s'en foutait que je dorme là ou pas. Elle se lève, bip, elle la porte, bip. Tu faisais ça pourquoi? Maintenant, voilà tes choses, voilà ta vie ici. Viens récupérer tes choses, ma chérie. Bande, tu peux habiter avec Gadou. Mais c'est Gadou. Gadou vient chercher. Ah, bon. Vous partez vivre ensemble. Voilà. Moi-même, je suis dedans. Non, c'est juste toi que tu entends. Mais qui t'a menti? On t'a dit que quoi? Oh, j'ai mes amis qui travaillent avec les gens de HLM. On me donne la main. Viens alors prendre, tu pars. J'ai dit qu'il y a cas par cas. Je suis une vraie veuve française. Même quand je me retrouve ici. Moi, j'ai une patience qui coûte très cher. Qu'est-ce qui t'a pris? Donc, tu avais oublié chez qui tu étais dans la maison. La maison, ce qu'on appelle la maison, c'est Eza Danger, maison Eza Danger en France. Parce qu'ici, là. Moi, elle fait que Gadou vient te chercher alors. Mais c'est Gadou. Mais c'est Gadou. Oh. Où on lui avait fait ça pour qu'elle me tomate la tête avec ça. Maman. Prenez, où les caries sont fait quoi? Oh, et les boubas, Madonna, que les boubas, les caries viennent te chercher. Viens alors. Viens encore, papa, des fois ici. Aïe. Gadou, viens chercher. Regarde-moi, alors, celle-ci. On te tend la main. Le frigo est plein. Il y a la nourriture, il y a tout. Les cigarettes et tout, même le couillard et tout. Mais la grande gueule que tu fais, ça va. Viens alors, fais ça maintenant là. Tu vas faire quoi? Même si tu veux, tu m'adresses. Tu crois que je vais te laisser? Je peux te laisser. Hein? Je ne peux pas te laisser. Toi et moi, on va faire ça, tu. Viens ici. Gadou, ou je ne sais même pas qu'il sente un morceau là. Viens chercher. Viens chercher là. Il y a ta femme ici. Voici les habits de ta femme ici. Ne riez pas. Ben c'est Gadou. Dans tout ça, il y a le micro. Hein. Oh, le micro ici, le micro. Ben c'est Gadou. Gadou. Ben c'est Gadou. Voilà. Venez chercher votre Gadou ici. Venez, voilà, ici là. Et en plus de ça même. Ça là, hein, ça tourne, hein, parce qu'il y a les trucs en haut qui tournent. Viens chercher. Voilà ton micro ici. Tu es devenu star dans la maison de la veuve. Oh, mais c'est Gadou. Elle chante avec le micro aussi, hein. Viens alors porter. Tu pars. Voilà alors ta misérable vie. Il t'a dit que je vais t'avoir un jour. Hein. Maman, la télévision du siècle. Voilà ta télévision, un pack. Et là, nous aussi, là. Voilà. Il y a, parce que c'était accompagné du micro. Mais c'est Gadou. Où est-ce qui est Gadou? Vous allez me dire qui est Gadou. Non, mais je. Ne riez pas. Parce que, tu sais qu'on appelle que psychologiquement, c'est pour rendre une personne bête. Tu viens, je t'accueille chez moi.
Je suis là. Elle ne lave pas les assiettes. Elle mange, elle pose quoi? J'ai fait mon ménage tous les jours seul. Je descends les poubelles seul. Qu'un gardien vient de te sauver ici. Maman. Je ne sais pas qui chante le morceau celle-là. Ok, je ne sais pas qui chante. Parce que le morceau est resté que dans ma tête. Que gardien vient de te chercher ici. Voilà alors ça. Là, être la veuve joyeuse et méchante, la veuve joyeuse et comme ça, machin, après ceci. Moi, voici ici. Tu es venu ici toujours. Viens leur porter tes choses. Tu vas vivre avec les gadous et les boubas et les caris et tous les gens que tu es. Et pourquoi j'ai dit que les rappeurs français avaient leur gueule. Nique ta race, nique ta mère. Yeah. Zahan, non, mais il doit t'amener que ta barbe. Viens prendre sa tête porte, tu vas vivre avec les cadeaux. Ya! Yeah! Il m'a pas de dose. On ne fait pas ça comme ça. Adama! Comment on dit Adama, tu peux faire ça à quelqu'un? Comment tu viens vivre chez une personne comme moi? Moi, je suis une personne très laxive, moi, je m'en fous. Hein? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ici? Les Kenzo, les Maeva, tout ça. Les Aline, les Freddy, tout ce monde-là. Vous êtes des gens. Léoma Tapon. Oma Tapon, viens porter les choses de ta copine. Oma Tapon, venez porter, vous partez avec. Parce que quand elle venait ici, elle croyait qu'elle arrivait où? Au paradis. Ici, c'est la maison Eza Danger. Eza Danger. Donc, je suis là. Quand elle me parle, je ne peux pas, je veux pas prononcer. Parce que j'ai pitié d'elle. Appelle la police. Je peux leur dire que je suis chez moi ici. La force de ça. Tu as fait l'erreur de descendre. Même si tu descendais, que tu avais seulement les petites tomates en main. Tu allais rester dehors les tomates là. On est où aujourd'hui? Va appeler Gadou. C'est Gadou. Mais c'est Gadou. Et puis le morceau était un morceau très entraînant. Je ne sais même pas comment. Qui chante un peu le morceau? Je ne connais pas. Je ne connais pas qui chante le morceau là. Pardon, dites-moi qui c'est. Parce que j'ai cherché. Gadou, mais c'est gars. J'ai dit que, non seulement qu'on met Gadou là-bas, on casse la porte. Bim! Bim! Hey. Depuis quelques jours, la joie de ça. Ça! Tu es colocataire ici. Colocataire dans quelle maison? La maison de qui? La pauvre veuve misérable, veuve qui n'a rien. Parce que, je peux vous dire que quand sa femme là vous insulte, elle t'insulte en sorte que même l'asticot est plus propre que toi. Et moi j'étais là, j'ai regardé ce moment. En plus, elle veut faire la force. Chaque fois que je suis en direct, que je suis en direct, elle veut tuer à moi et sa voix. Et moi, j'essaie de maîtriser tout ça. J'ai dit que je veux t'avoir. Tu venais dans une maison comme la mienne là. On m'appelle Esa Danger. Tu sais ça? Maman, j'en avais ceci. Je suis ce que tu vas encore me ramener à Facebook. Je ramène une énergumène comme toi à Facebook. Tu as fait quoi, on a vu? Tu connais le sac de ciment? Tu as fait quoi, on a vu? Regarde-toi, la honte de la population. 20 ans en France, le passeport camerounais te dépasse de faire pour avoir tes papiers, ta carte de séjour. Regarde-toi, tu as reçu des papiers ici. Des papiers ici au tribunal. Mais va ben non? Attends. Pourquoi? Regarde, non? Rentre alors. La honte peut te tuer. Tu vas maintenant, tu vas maintenant charrette. La femme d'un garçon cheftée, c'est là-bas qu'elle elle est partie squatter chez Madame Garça cheftée là-bas ici là. Celle qu'elle a insultée jusqu'à. Qu'elle est maintenant dans les églises. Machin, tout. Je veux tout dire ici. Tu viens parler. Viens prendre tes choses. Voilà. Ta vie en 40. Moi, je suis 40 ans, enfin, je n'ai rien. Au Cameroun, j'ai construit. J'ai mon emploi où je vais naître bientôt. Je suis ici, je erre ici, je suis chez moi. Tu dis que tu es locataire, colocataire. Même pas que locataire, colocataire. Ah, Tiana, toi et moi, on a pris la maison ensemble. Tu as d'abord les papiers.
Yo, bon, il m'a fait. Mon bordel, mon bordel, comment? Comme il y a sauvé. Mais je t'ai dit que le tout si. Ma zone, va te rallier. Écoute-moi très bien. Va te rallier avec qui tu veux à Facebook. Je veux vous faire exterminateur, vous tous. Tu vas te retrouver seul. Oh, je m'examine un peu. Tu as quel ami? Là, maintenant, là, voilà les choses qui se passent. Maintenant, tout le monde a fait comme ça. Depuis que je suis avec toi, je marche avec toi, je marche dans les bruits. Je marche avec toi. Tu as quel ami depuis des années que tu attends ça? Alors, ou tes amis t'ont emporté quoi? Moi, j'ai eu des amis qui ont l'argent. Moi, je dis que ma coma, aide-moi. Non, moi, je ne veux pas leur demander l'argent parce que toi, tu es qui? Tu vis ici, même parfois, même pas 1 euro ici. Tu ne peux pas demander à tes amis qui ont l'argent. Parce que moi, je ne veux pas les montrer que moi, je suis pour. Mon actif. C'est que moi, je demande que ma. Aide-moi, envoie ma carte RPCS. C'est ça. Tu vas marcher avec une personne qui peut t'aider, qui peut te relever dans ta situation, qui peut me donner une maison. Tu ne veux pas. Parce que quand j'ai vu les photos dans le mur, elle met les photos dans le mur. Je demande à l'info que tu pars même d'ici quand. Elle ne peut pas me dire quand elle part. Tu ne me demandes pas que je parte d'ici quand je veux partir quand je veux. Je dis, c'est elle qui quitte ici. Elle n'a pas dit à quelqu'un que machin pour les histoires de. Avec pas mal de la maison aussi. Elle était au courant. Elle passe sur le bâtiment. Elle part. Tout ce que j'ai vécu ici, c'est des temps. C'est elle qui appelle les gens que. Appelle la police, fait ceci. Moi, voici, les gens viennent manger ici tous les jours. Il y a une danse même ici. Il n'y a pas de police. Yeah! Maintenant, qui est dehors? Mais c'est Gadou. Appelle Gadou. Dites-moi le nom de. Appelle, hein? Viens, va alors appeler Gadou. Il vient te prendre pour partir habiter ensemble. Je crois que le dehors est facile. L'Europe est facile. Ici, je dis ici, tout est payé. À temps en heure. La connexion, tout, le téléphone, tout. Aïe! Hein? Tu crois que tu es arrivé où? Les gens que quand vous prenez votre langue, parce que je crois que tu es dans le crack. Parce que ce sont les gens. Ton cerveau est en anglais parce que tu ne regardes plus la réalité comme ça se voit. Tu viens dans une maison comme celle-ci. Moi, je suis Facebook. Tu veux me. Il faut me filmer même où tu vas à Facebook. Mais regarde. Voici son téléphone ici. Qu'elle dit que j'avais cassé. Alors qu'elle-même, elle a cassé son téléphone dans le musée. Ah, défends-moi. Ça, c'est mon téléphone. Alors que quand elle casse celui-ci, moi, je l'offre. Je dis que bon. Prends celui-ci. Voilà mon téléphone que je lui ai donné. Que, en attendant que tu achètes un autre. Oui! Tu as cassé mon téléphone. Voilà mon téléphone, ce que tu as cassé. Voici son autre téléphone ici. Marche pas. Voilà l'autre. 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 Voilà l'autre ici. Ici, il y a ta puce, il y a tout ici. Je te dois. J'ai tout ici, tout ta femme. Même tes papiers, tout. Tu es une femme. Viens récupérer ici. Vous arrivez dans les maisons comme ça. Vous ne connaissez pas que la vôtre joyeuse prie tous les jours, que la vôtre joyeuse, les gens qui ont pitié de. Voilà ta fortune ici. Viens t'occuper si tu es une femme. J'ai tout ici. Tous tes actes de naissance, tout sont là. Peut-être que tu as pris tout, je n'ai pas encore regardé. Viens voir. Viens, mon Jean. Je t'attends. Ingesangu. Elangu. Je vois ça. Voilà donc ta fortune ici. Que tu as. Depuis que tu as en paix. Oui. Voilà mon téléphone, j'étais aidé que va un peu. Tu as même dit à tes deux puces, il y a plus de la loi dedans, il y a ta puce président dedans. Viens chercher tes téléphones, viens chercher. Ça c'est à moi. Je vais l'arranger. Je vais l'arranger, ce téléphone. Il faut. Parce que ça sonne. On va juste enlever le tout là. C'est tout. Maintenant tu as là quoi? Tout est. Voilà ta vie ici. Regarde moi les misérables téléphones même. Auntie, bien non. N'a dit, n'a wok. Vous venez trouver une Jew Warriors qui est assise depuis. Une Warriors depuis des années ici. Vous venez chez les poumons à la veuve. J'étais dit qu'on va te frapper.
C'est Michael là quand t'as frappé fort. Pac. Reviens ici. Reviens. Ton plan que tu fais souvent, tu me parles là, tu vas te poignarder seul. Tu vas faire que, en croyant que seulement que tu poignardes, alors que tu poignardes peut-être ton fils ou ta fille ou ton gars, je ne sais pas que tu vas poignarder, pas, ça serait pas moi. Je vous ai attiré sur une pauvre veuve. Je me bats dans ma vie. J'essaie de m'en sortir. J'ai tout ma porte. Les problèmes ici, les menaces et tout. Je n'ai pas encore tout dit. J'étais attendu déjà à 10 heures parce qu'on t'a donné. Ça veut dire que tu devais venir apporter des choses dans la journée. Dimanche. Aujourd'hui, on est là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la police, hein, pour leur dire que, écoutez, la dame n'est pas venue prendre ces choses et tout. Moi, je veux prendre ça, je mets là. Et puis, je vais la poubelle, hein. Tu t'attendais à quoi? Tu viens dans une maison. Parce que les gens sont que quand les gens viennent dans une maison, ils voient que c'est comme ça. Les gens. Tu m'as sous-estimé? Est-ce que tu m'as tu sous-estimé une veuve chez elle? Te voilà aujourd'hui. Voilà ta fortune ici. Et les allô, allô. Et vous avez, vous avez, vous avez, vous avez. Et mon téléphone que je viens de donner, que voilà ça. Tu viens me parler. N'hébergez plus les gens chez vous. Parce que les gens ont les mauvais cœurs. Les mauvais, les gens. Quelqu'un vient chez toi tellement qu'elle est à l'aise, c'est pour venir prendre ta maison. Tu peux venir prendre la maison. Tu nettoies quoi ici? Tes corps là, avec tes pieds qui sont comme ça. Mes pieds sont noirs, oui, je suis célèbre pour ça. Hein? Tes corps là? Voilà là où tu dors. Même pas un sommier. Quel père sur Facebook? Waris, ferme ta gueule ici. Hein? Attention. Hein? Ne parle pas fort dans mes directs. Hein? Ne parle pas fort ici. D'abord ici. Oh, non. Ne tu ne parles rien. Ma père dit souvent. Ma père, c'est à Facebook. Comment tu vas faire paix avec qui? Est-ce que je m'occupe encore de toi? Alors, là où tu es là, boucle là. Calme tes nerfs. Parce qu'avec moi, ce n'est pas comme ça. Vous ne me voyez pas chez vous. Ne venez pas chez moi. Parce que les gens croient que j'ai été vulnérable avant, mais jusque-là je me battais. Pas maintenant que je suis Essilinga. Za, za non, bien, bien, aucun. Nanya. Za non. Quand vous sous-estimez les veuves, une tu vois, jusqu'à moi. Parce que quand toi tu regardes que tu es là, moi je t'anéantis, j'en ai rien à foutre. Le fait que les gens vont penser mal de moi, moi je suis une personne que les gens n'aiment pas. Les gens pensent mal de moi. Moi je m'en fous. Tu peux venir faire la boîte de nuit chez moi. Voilà encore le problème. Elle m'appelle. On essaie de me dire, on causait bien. Elle me dit, ouais, j'ai un couple là, un coup de doigts là. Oui, vraiment le couple est bien. La femme l'a fait un truc pour faire les escortes. Je dis, ah bon, hein. Les escortes, mais il nous faut un endroit. Je dis, mais il y a les hôtels, il y a les hôtels B&B pour faire ça. Non! Elle est partie proposer à la fille que c'est chez elle ici, que c'est ici que ça va se passer. Non, laisse, je vais arranger avec elle, ça serait. Maman! Elle me parlait. Je dis, Après, je lui dis, mais attends. Tu m'as proposé des propositions. Moi, je te propose aussi ma part de propositions que si tu veux de temps en temps pour se jubiler, on peut la boisson, on peut ceci. Parce que moi, elle me propose de venir faire les escort girls ici, dans ma maison ici. On va ranger les deux chambres bien, on met les rideaux, ça va nous rapporter l'argent. Moi, je lui ai dit que non. Parce qu'elle ne se rend pas compte que c'est chez moi ici, c'est ma vie. Parce qu'elle n'a plus de vie. Elle fallait faire ça où? Que j'accepte qu'on vienne la puterie chez moi ici. Non, c'est avec tous les rames, les rames, les que se passe ici. Je ne prends encore elle. Et c'est elle qui va diriger. Je vais demander qui va leur diriger si on fait les rêves ici. Non, tu sais que c'est ma personne. Donc, tu n'as même pas d'adresse. Et si tu. Depuis quand je lui ai dit non. Parce que là-bas, les gens lui disaient maintenant que. Bon, c'est comment alors elle a accepté. Elle dit, ah, c'est comme ça qu'elle commence à faire. Elle commence à être hôtel. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un. Tu payes quoi ici? Tu viens diriger le truc de puterie ici?
Moi, je vends des poissons ici, brisés ici, les Missouga. Va faire ta part. Tout. J'ai ta vie ici à main. Voilà. Depuis que tu es enfant. Allez, téléphone. Allez, téléphone, que tout ce que j'ai cassé. Toi-même, tu as cassé ton téléphone ici. Voilà ce que c'est. Je ne sais pas si ça marche. Voilà sa part. Oh, mon copain m'a dit qu'il va m'offrir un téléphone. Voilà le téléphone que son copain m'a offert. Les petits. Regarde ça, moi. Regarde-moi ça. Et voilà, moi, je l'offre. Moi, je l'offre les rayas. Parce que moi, je ne marche pas avec n'importe quoi. Quelqu'un te met mon téléphone. Et prends mon téléphone si tu as cassé mon téléphone si. Comme tu as cassé le téléphone si, je prends tous tes téléphones si. On va voir où tu vas récupérer tout ça. Même ta puce. Voici ta puce ici. Ta puce. Viens alors. Viens le récupérer. Parce que quand vous êtes devant les gens, hey, mon enfant, je veux te faire ceci, je veux te faire ceci. Viens alors. Voilà tes téléphones qui sont là. Voilà ta vie ici. Voilà mon téléphone. Mon téléphone marche, regarde. Ça marche, hein. Mais je ne peux plus tout allumer. Parce qu'il faut chercher quelqu'un qui veut m'enlever tes sales puces dedans. Oui. Tu pouvais quand même dire. Quand la police se disait que c'est mon téléphone. Mais il fallait me remettre mon téléphone. Calmement. À la police que oui. Je retire quand même mes puces. Et tout. Hein? Tu pouvais prendre mon tes puces. Et puis mettre ça dans tes téléphones. Surtout le téléphone qu'on t'a offert ici. Normalement, un homme m'a fait ça. Aïe! Maman, je bagarre avec toi le jour là. Regarde la carte là. Les anciens sont les époux de ouais, baba, ouais, ouais, ouais. Tu mets, mais tu as cassé mon téléphone. Mais oui. Mais oui. Voilà. Il faut suffisamment que je retire seulement tes puces à l'intérieur. Puis je récupère mon téléphone, c'est tout. Après, je n'en ai pas besoin. Moi, tu me connais, tu sais qui je suis. Voilà, alors, viens alors, comme tu es une femme. Viens. Tu te focalises sur la veuve joyeuse. Je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Tous tes échecs, c'est moi. Moi-même, je n'ai pas d'échec dans ma vie. Et que je dis que c'est quelqu'un qui m'a fait ça. Hein? Voilà, alors, voilà ta vie. Tu m'as pas encore bien montré. Voilà. Viens récupérer. Voilà des choses ici. Et ce qu'il va te faire. Voilà. Maman, oh. Oh, oh, les petits fleurs de ça. Les fleurs de la gloire. Les micros. Mais c'est gâteau, mais c'est gâteau. Voilà alors la vie d'une femme en France depuis des années. À toi, c'est gna comme moi, gna ma gna. On est ça. Tu t'attendais à quoi? Va prendre gâteau, mais c'est gâteau. Moi, je suis sans scrupule. Je vous ai dit ça, que je suis sans scrupule. Va appeler Gadou. Il vient te récupérer tes choses. J'attends, non. Quand je vous dis que je suis sans scrupule, vous ne me connaissez pas très bien. Elle a même une sale chienne comme ça. Et Ninja, depuis que tu es arrivé ici, tu focalises ta vie sur les gens. Tu vas... Avec elle, tu racontes ta vie quand tu étais petite, ce qui s'est passé dans ta famille et tout. Elle... Elle va prendre encore tout ça. Pour dire que c'est ça. Donc elle prend, on appelle ça usurpation d'identité. Elle prend tout ce, donc tout ce que tu lui racontes. Parce qu'elle n'a pas de vécu, elle n'a rien. Vous venez parler à la veuve joyeuse. Mon cœur est très bon. Maman, il faut voir souvent comment elle me compte ici là. Si je vous dis comment la femme la m'a insulté ici. Viens! Parce que moi je ne suis pas sauvage, je peux jeter mon téléphone. Viens là maintenant là. Quand je pense, t'avais bien dit que. D'abord, Dieu. Parce qu'une femme t'insulte chez toi. Boum, boum. Viens alors, tu les boum, boum ici. Je te dis que c'est Michel Akange va te frapper. Voilà toute ta vie que j'ai ici. Voilà tes papiers. Tes dossiers sont là. Viens récupérer alors. Tu as peur de quoi? Entrez ici. Quand je vous ai dit que Dieu protège les veuves et les orphelins. Oui, le Bible. Les menaces, comme ça qu'elle me pousse souvent. Elle dit, maman, quand il y a un problème, là, je vais essayer d'arranger. Elle me pousse. Viens alors, viens. Les Kenzo, les Aline, les Omatapon, les Maeva, tout ce monde-là, parce que vous êtes ces gens.
Et vous, venez, les canisots, venez chercher ces choses, les restes. Ce qui doit être dans sa misérable vie. Ton téléphone marche, hein, voilà, tu entends? C'est ta puce qui est dedans, hein? Voilà tes gens qui te cherchent. Écoute-moi très bien, regarde ça. Entre l'eau calme peut tuer. Moi voici, non, j'étais déjà dit quoi, que laisse, non. Me voici assis ici. Bien. Maman, enfin je respire un peu. Pic, pic. Aucun respect. Voilà ça. Kenzo Limbembe. Viens prendre la richesse de votre soeur. Les chaussures sont là-bas. Mais c'est Kadou. Cherchez-moi. Qui chante le morceau de Kadou aussi? Et vous êtes cherchez-moi le gars là qui chante ça. Ok. J'arrête. J'arrête quoi? Ça va me faire quoi? Elle venait m'égorger. Le sujet est gorgé depuis les 15 ans, les machins. Je ne connais pas le mot. Il s'appelle comment? Non, 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 non. Moi, j'ai voulu la séparation tranquillement. Hein. C'est elle qui fait le bruit là-bas dehors. Et ça vient me trouver ici. Hein. Moi, je ne suis pas là dans les problèmes. Là, que... Quand j'arrive déjà à Facebook avec les problèmes, ça veut dire que ça a commencé dehors. Et ça vient me trouver ici. Oui. Mais viens chercher tes choses. Moi, je veux partir. Viens chercher. Hasma, hasma, hasma. Viens chercher tes choses. Tu pars. C'est un problème. Mais tu vas m'amener les choses où tes amis, tout le monde, t'a vomi. Viens alors chercher. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile de venir dire que ça non, mais tu viens chercher tes choses, tu pars. Ici, ça sent mauvais, ça pue, ce n'est pas sale. Il y a des gens qui ont des HLM, machin, tout. Parce qu'ils me proposent qu'il faut qu'on commence à vendre les piments. Et si j'ai que moi, je ne vends pas les piments chez moi. Les seuls piments que je vends, c'est les Misunga. Les problèmes commencent. Le manque de respect. Elle commence à me prendre la tête. Tu es même trop fort, vraiment. Viens alors encore ici. Viens rentrer ici. Viens encore, ce n'est que propre si tu es une femme. Voilà ta misérable vie ici. Tu t'attendais à quoi? Quand tu es venu à cette maison, tu t'attendais à quoi? J'étais gentille avec toi, j'étais patiente avec toi. Aucun respect. Viens, je t'attends, viens prendre tes choses. Tu pars. Regarde-toi la honte de l'humanité. Tu n'es même pas locataire. Colocataire. Ici là. Regarde, viens te chercher. Mais c'est Gadou. Mais c'est Gadou. Allez, si maman. Quelle est la voix joyeuse encore de siffler là-bas? Elle met la musique à haute voix. Hein. Je ne ferme pas la porte. Je dis que ferme quand même la porte. Je dis, non. Je ne ferme pas. Viens encore parler ici. Viens, voilà la porte ici. Je ne ferme pas la porte. Je ferme pourquoi? Regarde, maman. Voilà ma maison, maman. Regarde comment il ferme ma porte. Ah, tiens. Eh! La porte est ici. Maintenant, alors, voilà. Alors, ça. Gadou! Mais c'est Gadou! Voilà, alors, ça. Émilie, moi. Même mon cul dehors, si tu as eu à filmer, mais tu ne peux pas filmer parce que voilà tous tes téléphones ici. Les téléphones ici, voilà, c'est ça que tu filmes avec. Quand j'ai prié Dieu, si tu crois que j'ai prié Dieu pour les mains, j'ai pris ma part de Dieu. J'ai dit que, hey, attends-toi, Dieu. Mais attendez, je me demandais que vous couchez ensemble. Moi, je ne sais pas, moi, les lèches-lèches. Je ne connais pas ma chose comme ça. En plus, tu dors dans une chambre. Avec une belle vue. Tout ça là. Maintenant, pourquoi tu ne viens pas chercher? Tu venais prendre tes choses au début. Tu venais prendre tes choses par terre. Ça là, les miens. Hein? Je suis lesbienne, lesbienne. Lesbienne, je ne t'apporte rien. Je suis ceci, ceci, ceci. Tu es dehors. Viens, il fallait venir prendre tes choses. Tu pars. J'étais bien dit que laisse-moi donc. Que quand il y en met, bon.
quand il va te faire. La trêve hivernale est faite et terminée. Maman va me mettre dehors. Non? Comme tu sais, maman, l'immeuble est calme avec toi. Quand elle lève les assiettes, elle fait le bruit partout pour que l'immeuble se. Maman, comment tu peux aller te coucher alors que tu as laissé quelque chose au four? Pour rien comme ça, hein, elle sort là, elle ouvre la friteuse. Lui, le cuit toute la nuit. C'est quand je me lève et je dis que matin, il y a un problème, mais ça sent lui. Non. Donc, je t'avais bien, quand j'ai tapé ma main sur les cycles, fais attention. Quand quelque chose va t'arriver, moi, j'ai vécu l'enfer. Mais Waters, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Hein. Mais, peut-être que je parle ça en rigolant, mais j'attendais le bon moment. Vous savez que la pierre de Dieu écrase doucement. Oui. C'est écrase doucement. Parce que tu ne peux pas faire infliger quelqu'un chez elle dans ce genre de choses. Et tu pars boire toute la nuit. Des jours dehors, puis tu reviens vers 2 heures du matin. Crac! Quand tu venais sonner ici, tu venais sonner encore où ici? Mais il fallait rester là-bas une fois. Il fallait rester chez tes gens là-bas. Tu viens sonner ici. À quelle heure? C'est devenu quoi ici, le boui-boui? C'est toi qui sors. Moi, non, la police est. Okay. Voilà ces choses ici. Les téléphones. Viens nous chercher. Tes dates de naissance sont là. Je suis là. Mais en vrai, ce n'est pas tout à l'heure, c'est après. Je t'attends. Mais viens chercher tes choses. Tu venais chercher parce que tu n'as personne. Tu as appelé tout le monde t'a refusé que non, on ne peut pas. Et après, dit, les gens me refusent, je les gens ne pas garder moi à cause de toi. À cause de moi que je suis ton ami, je marche avec toi. Et tu es chez toi là-bas dans la chambre là-bas. Tu parles, tu es pas toute la journée. Elle regarde les films, elle fait ceci. Après ça, cuisine pas, elle prépare, on nuit et tout et tout. Viens encore faire lorsque tu fais des serves. Voilà ta vie ici. Si c'est moi, toi, je me suicide une fois que parce que là, c'est tout. Hein. Parce que quand tes enfants vont voir ça, parce qu'il faut partager partout. Hein. Dans les groupes, vous partagez. Parce que quand. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Moi, je préfère rester seul maintenant. Et dis que seul de chez seul. Je ne veux plus personne. Voilà alors le comportement des Camerounais. Tu prends une personne, tu amènes chez toi, ça se passe comme ça. Ça, je n'ai pas vu vous parler. Vous croyez que comme je suis petite de taille là, comme je suis courte là et tout, vous croyez que ma vie est finie, que j'ai peur de vous. Petit piment, la pépé, hein? Avec moi, c'est pas facile. Hein? Mais c'est gardou. Vous avez dit de me trouver le nom de la personne que j'ai le morceau là. Je ne peux même plus lâcher dans ma vie. J'ai dit que. Pourquoi? Pendant les fêtes de Noël. Mais Warriors. Pendant les fêtes de Noël, c'est quand je me suis déplacé ici pour aller à voir mes enfants. J'avais gagné une petite tortille qui n'était pas grand chose. Je l'ai vue ici là. Elle n'avait rien. J'ai pris 300 euros. Je lui ai donné. Donc, j'ai d'abord donné 100. J'ai donné 200 euros. Et j'ai pris les sols. Il y avait les gros sols ici là. Peut-être que moi, je m'avais fêté en famille. Et tout. Et son fils venait aussi de là où il est là-bas. Sa fille et tout ça. Maman. Elle n'avait même pas rap. Même pas 5 francs. C'est moi qui a fait. Elle a rangé ici. Elle a reçu ses enfants ici. J'ai dit que. Elle a resté toute sa famille ici, préparée, tout avec les grosses soleils, tout et tout et tout. Sans compter de ça, elle recevait quand. Maman, les 2 semaines, les 1 semaine que j'ai passé avec mes enfants là-bas. Pourquoi tu n'es pas fêté chez ton gars, le père des enfants? Parce qu'il ne veut même plus entendre parler de toi à cause de quoi? De ton mauvais comportement. Toi, tu vois le comportement des gens, tu juges les gens. Mais toi-même, tu vis comment, maman? Tu as quel comportement? Quand je suis rentré même encore,
Tes enfants étaient encore, je connais 50, 53 tes enfants. Mais elle va te dire qui? Jamais. C'est pas possible. Elle nie tout. Elle connaît tout. Si tu parles de ta vie familiale, elle s'accapare ça. Elle te parle de ta peau pour dire que tu l'as raconté, que c'est pour elle. Voilà dans ta misérable vie ici. Tout ça m'appartient. Bien, je suis une femme. Oui, que je voyage aujourd'hui, non. Ça, non. Voilà, alors. Camerounaise. Quand je vous dis, laissez-moi. C'est la veuve. Voilà. Mais c'est gâteau. Ça, non, ça, non, ça, non. Quand vous voulez vous voir dans les réseaux sociaux, elles font comme ça. Parce que je n'ai pas me citer les noms des gars avec qui tu as les paiements, avec qui tu as mis de courrier ici dans ma chambre ici. Je sais qu'ils vont te faire, non. Viens alors. Voilà. Et je mets ça en bas. Parce qu'il y a tes puces dedans. Mais c'est gâteau. Voilà ta vie ici. J'ai tout ici. Je te dis que quand il va te frapper. Vous me voyez, je suis une petite courte femme. Très petite, hein. J'ai fait 1m50, hein. Mais je ne laisse pas facilement. Gadou, que Gadou vient alors te chercher. Vous pensez qu'il fait ça? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai depuis l'antenne chez moi ici, hein, je peux vous montrer, hein. J'ai été bousculée ici, je ne sais même pas où sont mes trucs là. Je ne sais pas. Peut-être que c'est parti, hein. J'ai été bousculée ici, hein. Maman. Hey. Quand je t'ai posé la question, que quand tu me fais les choses comme ça, tu crois que tu as qui? Et moi, je regarde derrière, je dis qu'il va. Tu n'as personne. Ne fais pas que parce que tu prends un son. Quand tu prends un son, tu crois que tu es quelqu'un. Regarde là où tu dors. Regarde là où tu vis. Je t'ai dit ça plusieurs fois que calme-toi, calme-toi. Là où il y a un problème, elle ne prend jamais mon côté, elle prend que les côtés des autres. Non, Valérie, tu as tort. Non, Valérie, tu as tort. Maintenant, alors qui a tort? Moi, viens, non. Je t'ai dit que quand je vais te frapper, voilà ça. J'ai tout ici. Viens alors. Même quand j'ai acheté les sacs poubelles. Si, mais en fait, c'est tout ce que tu as dans ta vie. Des petites pauvres chaussures là. Des petites pauvres parfums là et tout ça. C'est déjà les demi-demi, même si c'était encore dans les poubelles. J'avais même pas de pour amener ça ensemble, pour donner à ma famille là-bas. Il n'y a plus rien. Je vais mettre ça là. Kouyakoui. Pour aller. Voilà alors ta vie. J'étais bien dit ici que. Calme tes nerfs. Hein, j'ai un truc ici. Tu ne sais pas que tu vas faire comme ça. Je veux rester ici. Je pars comme je veux. You do go if you want, hein? Now, no, my friend. Come and take your car, you do go. And what do you for here? Come, I what do you? See, one time, eh? Me, I go for my gun, I go for my flight. Dis. La gueule. Tu t'en vas te suicider. L'agneau aussi là. Tu dis que tu es colocataire ici. Non. Il dit que tu entends ici. Elle-même l'appelle encore la police. Oui, je veux rentrer chez moi. Ma colocataire. Elle ne veut pas me laisser entrer. Ma chérie. Qui? Même les papiers, ton passeport est fini depuis 2018. Ton passeport était déjà plié comme ça. Au Dakar de séjour. Tu l'as vendu où? Tu as quoi? Tu parles à qui? Parce que, mon Dieu. I did what are you for here? C'est mon time. And I see you now. I tell you something, my friend. Make quickly, slowly, slowly. With me. Parce que me, I am a slowly woman. Doucement, 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 doucement avec moi. Parce que moi, je ne suis pas. Je suis comme un enfant. L'enfant, je suis toujours joyeuse et joyeuse. Mais dès que tu me fais comme ça, quand j'ai fait comme ça,
Hey, comment tu as compris de quelqu'un? C'est mort. Même si tu essaies encore d'être ami avec moi comme ça, c'est mort. I tell you, non. Comment alors? Comment tu es à Kako? I dit, what are you for here? Viens chercher tes choses. Je te dis qu'on va te frapper si tu vas dire non. La veuve joyeuse de tous les temps. Ma maison est devenue. On appelle ça comment? Et puis j'ai horreur des gens là. Des gens qui m'appellent souvent là. Parce que quand je commence ma part, vous ne voyez pas ce qui se passe. Parce que ici, dans les réseaux sociaux, la con là, quand moi on me fait du mal, personne d'entre vous n'êtes pas là pour voir comment on me fait du mal. Comment je souffre. Tu ne peux pas héberger une salope chez toi et puis te manquer de respect. Tu dis carrément qu'elle va te balancer par la fenêtre, parce que tu vas balancer qui? Ouais. Allô? Allô? Oui, bonjour. C'est qui? Tu devais passer ici. Eh oui. Tu devais passer ici. Hein? Chez qui? Où ça? À Suresnes? Tu es déjà venu ici. Pour voir qui? Qui? Ibrahim, hein? Elle n'habite plus ici, hein? Oui, je sais qui tu es. Je sais ce que tu es, oui. Mais il y a des soucis ici. Elle n'est plus ici. Bon, je ne sais pas où elle est. C'est Valérie qui te parle là. C'est Valérie qui t'appelle. Elle n'est plus ici, Ibrahim. Désolé. Ouais. C'est ta puce ici, non? Ibrahim, non? Est-ce que je connais Ibrahim? Pas un coup. On te manque le respect. Ou parce que je suis. Maman, le H, la maison, ça, il y a eu des problèmes jusqu'à. Oui. Oui. Quoi? Quoi? N'appelle plus, pardon. C'est ta puce ici, non? J'éteins d'abord mon téléphone. C'est mon téléphone, non? Viens alors récupérer ta puce. Je ne vais pas parler avec tes salopards, là. Avec Ibrahim, avec ça, avec ça, avec ça. Viens. Je suis ici. La gentillesse de ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il t'a dit, calme-toi. Ou donner un arbre, un arbre, un arbre. Tu viens zarbacher, chez ma mise. Jusqu'à un jour, là, attendez. Il dit que j'ai. C'est si je. Elle s'assise comme ça. Mais je suis chez moi ici, je ne bouge pas. Toi, tu vas partir ici. Elle me dit que toi, tu vas partir ici, reste ici. Hein, moi, je vais partir ici. Toi, tu vas rester. Et puis, je vois ce que quand elle arrange la chambre, hein, les choses arrivent. Oui, et je me rends compte que l'histoire que je vois dans la chambre, c'est ici. L'angassi ne veut plus go. Elle veut que rester ici. Même si tu ne veux plus go, tu restes chez une personne, mais sois un peu courtois, sois gentil. Toi, tu veux mettre la force, on fait la force avec les gens comme moi. Tu ne peux pas faire la force avec moi. Je suis désolée pour toi, ma chérie. Hein? La maison, c'est devenu la maison de la boîte de nuit. Yiblé. Et moi aussi, je suis. Et asthma, asthma. Maman. Mais c'est gadou. Mais c'est gadou. Viens alors. Maman. Maman, je suis. L'immeuble est devenu calme. Quand l'été ici, c'est comme si l'immeuble ne bougeait que partout. Tu
marches comme ça chez une soeur à toi, quand tu fais la force, tu viens faire la force chez moi, et bah, ce moment. Tu t'es aventuré où? Ça, non, bien, que tu vas chercher Gadou. Tu vas chercher le Gadou là-bas, vous allez danser ensemble. J'ai eu ma part de dose parce que personne ne peut témoigner pour moi. Mais si un jour personne témoigne pour moi, j'ai vécu l'enfer sur terre dans cette maison. Parfois, je fais les vidéos comme ça, même parfois. Au moment, il commence à me faire peur. Hein. J'avais peur, peut-être que. Oui, sans vous mentir, oui, elle me faisait peur. Aïe! Elle me faisait peur. Parce que je n'étais plus la personne que j'ai connue. Mais après ça, elle sort là-bas avec ses histoires. C'est comme ça qu'elle ment, comment c'est pas mort. Parce que quand on dit que c'est pas mort, on ment. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas mort, on ment. Pourquoi? Parce que quand le serpent est mort, même s'il n'y a plus de chair, mais le serpent est toujours bien couché comme ça. Et toi, tu crois que quand tu vas aller chercher là-bas, il y aura encore la chair dedans, alors qu'il n'y a pas de chair. C'est les écarts que tu trouves. Oh, mais Sissia, on vient me Sissia dans ma pauvre maison ici. J'ai fait comme ça. Là où il y a quelque chose que elle doit prendre mon parti. Non, elle prend le parti de quelqu'un d'autre. Du coup, je reste comme ça. Là, non, bien, bien, aucun. Viens, prends, tu pars. Voilà tes choses ici. Tout ici. Et te tiens comme ça. N'est-ce pas, tu as insulté Chamila Kanch ici? Ton Dieu, c'est un Dieu quoi? Tu as insulté mon Dieu. Voilà alors. Mais c'est Gadou. Mais c'est Gadou. Mais c'est Gadou. Quand va chercher Gadou? Je vous ai dit depuis que donnez-moi un problème. Je ne vais pas écouter le morceau là. Parce que le morceau m'a traumatisé ici. Et ça, et j'ai mis le morceau. Je commence déjà à entendre ma tête. Et moi aussi, je suis là. Trouvez-moi le nom du gadou là, s'il vous plaît. Wesh. Non. Oui. Ah, attends, je finis mon chat, je vais t'appeler tout à l'heure. C'est seulement pour dire merci. C'est seulement dire bonjour, il n'y a pas eu un souci. Bisous. Non, non. Tu dis? C'est Dadju. Maman. Ça va, maman? Bonne voix, bonne voix. Yanga Mazoualon, Yanga Malon, on voit tout de suite là. Mazoabtalon, Malon, on voit, ah non. T'as pas parlé Yanga Mazoualon, maman, direct Malon. Tu n'es même plus jolie. Hein? M'a dégagé quoi? Ouais, mon Dieu. Tu vas aller m'aimer? Au son de Dieu, il m'en envoie. Tout à l'heure, je vous appelle. Enfin, c'est
vous comprenez, vous me comprenez. Avec ma famille, ma vie, moi, c'est quoi? Ouh, mais c'est gadou. Paradis. J'ai dit que j'ai été très patiente. Vous comprenez? Très. Moi-même, avec ma famille, on est souvent, ma famille a peur de moi. Parce que quand moi, j'arrive souvent. Je suis quelqu'un que vous pouvez bagarrer devant moi. Moi, je bois ma petite bière. Je dis que même si le sang coule là, tant que vous ne voulez pas me tuer où je suis assis, parce que j'ai réfléchi à autre chose. Oui. Parce que nous qui avons survécu beaucoup d'épreuves dans la vie, des petites épreuves comme ça, c'est banal. Parce que les gens vous respectent à la taille de votre portefeuille. Les gens vous respectent à la taille de ta taille physique. Les gens qui sont les naines comme moi ne respectent pas. Moi, j'impose le respect même dans ma famille. Avec moi, ce n'est pas facile. Parce que moi, j'ai mes choses que je fais. Parce que je regarde ma pauvre, misérable vie. J'ai cru que j'allais peut-être venir ici avec elle. Allait... Maman, tu imposes. Souvent, je ne peux pas la nourriture. Vous voyez, elle vient m'aider. Jamais. Mon mixeur, si. Mon mixeur que j'ai acheté ici. Donc, le jour-là, j'ai creusé. Après, je l'avais écrasé. Je ne l'écrase pas. Elle dit qu'il n'y a pas le couvre là. J'ai dit, hé. Maman, je cherche. Elle regarde comme ça. Et puis, maintenant, je voulais écraser en tout cas encore, je n'écrasais pas. J'ai pris et déposé là-bas qu'on arrange. Elle casse tout. Mon passeport, c'est comme ça que mes passeports disparaissent. Maman, les trucs disparaissent. Donc, du coup, je suis obligée maintenant de marcher avec mes choses. Donc, je vais avoir peur des gens qui sont dans ma maison. J'ai beaucoup de patience. Parce que la patience que moi j'ai dans ma vie, tu sais que dans la vie, quand tu étais pauvre, bon, je ne peux pas dire que j'étais pauvre autant que ça, mais chez nous, les boules, moi j'ai grandi au village. On m'a appris les vertus, comment s'éteindre, comment faire certaines choses, comment attendre, il faut savoir attendre. Tu peux demander. Ici à Facebook, mes consoeurs, on les donnait les millions ici. Moi, je n'avais même pas la connexion chez moi. Je n'avais rien. Tout le monde se moquait de moi. Mais j'étais toujours là. Parce que c'est quand les gens ont commencé à venir vers moi que j'ai dit, tu peux m'envoyer pour le crédit, même 20 euros. Tu me fais ceci. Parce que c'est l'éducation. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Mais quand ça ne va pas, je demande que moi, Jean, on m'aide. Je ne peux pas ici tout seul. C'est moi qui descends avec les nourritures. Elle est là, couchée. Elle ne m'aide pas. On a commencé avec 300, 200, 105. 105, very difficult. She's give me for 1 month. Say you say que you're a big woman. Listen. 150 euros. Ouais. Je vais finir là. J'ai commencé à faire une petite tontine chez les 200 euros tous les mois. Qui a gâté la tontine? C'est elle. On fait la tontine. Non, mais le jour que moi, donne-moi seulement mon argent. Remets-moi mon argent, mes 200 euros que je t'ai remis. Hey! Elle va me remettre mon argent. Mais, moi, je te demande que tu t'es cru où? Nous sommes en Europe, ici, même les soeurs, les cousins se parlent et puis se déchirent. Au Cameroun encore, quand on arrive là-bas, c'est autre chose. Mais ici, un sou, c'est un sou. Un centime, c'est un centime. Quand quelqu'un te tend la main comme ça, quand quelqu'un te donne quelque chose, il faut dire merci. Ici, les Camerounais ne savent pas dire merci. Et... Pas de merci. Voilà, alors maintenant, alors, tu vas maintenant faire comment? Je dis que moi, je voyageais. Suis assise ici. Elle dit, what do you for, Kona? Je dis, comme non. Elle dit, what do you...
Fossé cassé. Ou dit quoi? You say you didn't get from Cologne, no? Got from Cologne, it's a battered woman, battered girl. Come, I didn't wait you for ya. I want you. Come. Tiens, pendant que je suis bien bien glacé. N'a pas encore eu n'a pas n'a pas n'a il dit comme non les gars de colonne je vais te demander que a dit d'abord ABC 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 ne pas when you make la rap you know ABC Carrefour font colonne a dit quoi. I dance it for a local disco. Hey, Sony Disco. Foyer Barengo. Sony Disco is me. Tant que vous êtes les gars d'un colonel, vous savez pas que nous sommes en colonel. Moi, Adinga for ABC. I'm a battle woman. Yes. Le monde fait les rac-rac-rac. Quand tu vas payer quelque chose, le monde, tu payes les pantalons comme ça, on te fait des rac-rac. J'ai connu. Moi, je suis à ABC. Toi, tu es dans le quartier. Kouloulou. Quand vous croyez que nous, tu n'as pas vécu à Douala. Adi, go, hein? I wait you for ya. Parce que le temps la passe, hein? Le temps passe. Viens. Viens faire poum ici. Viens. Que j'ai peur de toi. Voilà, donc, voilà son. Elle ne met pas son téléphone. Le téléphone, tu ne marches plus. Et le téléphone, tu ne marches plus, mes wireless. Ça ne marche, son téléphone, ça ne marche plus depuis. Moi, j'avais eu pitié d'elle. Je lui ai donné mon téléphone, ce que, ouais. Va commencer. En attendant que tu pars ranger ton téléphone. Je donne mon. Moi, je donne mon téléphone, si. L'argent que tu as eu, rien. J'ai dit qu'elle a fait comme ça, rac, rac. Au sol. Bim! Regardez. Ça, c'est pas la méchanceté. Regardez son téléphone. Qui l'a cassé? N'est-ce pas? On a Facebook. Et je sais que les gens vont me dire que oh, je suis une mauvaise femme, mais je sais ce que je vaux. Quand je vous dis que même ma famille, avec moi, c'est hey. Quand il dit que hey, vous entendez des gens qui ont tendu ma main au téléphone. Que hey, mon ami. Parce que quand j'ai fini avec eux là-bas, clac. Vous entendez. Ma propre mère. Donc il faut comprendre que moi, je ne m'amuse pas. Parce que quand je pense que je vais aller chercher les Missouma, je vais laver, je vais travailler là, je vais vendre mes choses. Et puis, tu avais une soeur que tu as. Puis dans les ponts, on me traite, elle me traitait comme une moins que rien. Et moi, ça, je ne disais rien. J'ai dit que moi, j'ai demandé, tu as vu là où tu es. Moi, je m'en fous, je peux partir parce que Freddy a dit que si quelque chose m'arrive ici, hein, il faut que je parte. Pour se moquer de moi, Freddy, Audrey, Bélé. Il faut appeler Freddy les 15 ou là, vous venez chercher. Et il va s'en ici. C'est avec ces choses, hein, parce qu'avec moi, ce n'est pas ça. Hein. Donc, voilà. Oui. Mais je sais que quand les gens vont prendre ça, parce que je sais qu'il y aura le répondant. Mais réponds-moi, parce que tu sais que moi j'ai gardé les croustillants, hein? Parce que je garde les croustillants, parce que j'ai encore les croustillants à vous dire. Donc réponds-moi. Viens d'abord prendre tes choses. Viens prendre tes choses chez moi. C'est ma maison. C'est mon bungalow. Ça pue si ça sent mauvais. Mais c'est chez moi. Je ne suis pas dehors. Où sont tes gens là maintenant? Et les Freddy, et les Kenzo, et les Maeva, et les Beza, et les Sandra, et les Aline, Machin, Coco. Tous ces gens-là. Dis alors. Maintenant, tu appelles, maintenant, les gens, personne ne répond plus. C'est pour ça que tu ne sais pas où
Fais comment prendre tes choses pour amener. Tu vas amener tes choses où? Parce que toi et moi, on était arrivés, on appelle ça que, au nom de non-retour, tu ne pouvais même plus venir même ici, même t'asseoir même ici, pour faire quoi que ce soit, parce que c'était, on était arrivés à un niveau qu'un. Parce que quand je vous dis que je suis comme un enfant. Je suis comme un bébé, un enfant. Je ris, je suis. Mais quand je me sens déjà un peu menacé ou frustré comme ça. Tu vas me vader là devant moi. Ça prend quand elle me parle, quand je ne comprends pas. Elle prend le verbe, elle. Et tu crois que tes choses sont restées ici par hasard. Tes choses ne sont pas restées ici par hasard. Parce que tu me parles. Hein? Tu es qui? Tes pieds sont noirs, machin, tout prêt. Il te dit, I dit, what you for ya? Voilà quelque chose ici. Viens chercher alors. Tes notes de naissance, tes dossiers, c'est là. Quoi? Viens chercher. Tu viens dans une maison. On appelle la maison, c'est que la maison Esa Danger. Esa Danger. Ce n'est pas n'importe qui peut mettre les pieds ici. Moi, j'arrange ma maison. Une maison de commerce, tu peux rester sans que tu arranges. Parce que les démons, tout le monde entre ici. Toi, tu es venu montrer que tu es un vrai démon. Viens alors prendre des choses. Partager comme ça, tu ne peux plus béger une personne. Tu ne peux plus. Je dis que. Ah, tu ne peux plus. Maintenant, l'immeuble est calme. Même les voisins, j'ai avec maman. Quand ils m'insultent, hein. Mais ce qui montre que tu étais trop bête. Tu insultes Valérie. Je m'appelle Valérie. C'est Elisabeth. Valérie, Elisabeth. Elle est là que tout le monde allait comprendre. Enfin, bref. Et j'ai dit que l'insolence de ça, dans mes vidéos, il faut qu'on me parle. Tu parles là. Moi, je parle des choses. Hein. Vous connaissez l'histoire de la femme là? Il y a une histoire là que la fille est venue habiter chez la fille avec le blanc à faire quoi, quoi, quoi. Tout ce que je parle, c'est elle que j'ai m'adresse. Je m'adresse à toi, que tu as quel statut? Eva, c'est ton nom. Eva, c'est un nom de prostituée, là où je t'amène dans le bar, travailler dans le bar à champagne ici. Donc, moi, j'ai déjà tout dit. Voilà alors tes téléphones, ton patrimoine. Voilà des gens qui appellent ça, c'est mon téléphone, t'as plus ces dents. Voilà alors tout ça. Viens alors récupérer si tu es une femme. Voilà tout, j'ai fini avec toi. Ça, c'est mon téléphone. Je veux ressortir de tout. Parce que quand vous allez habiter les gens, le respect. Le respect. C'est là-bas que tu es partout. Le Congo, ta bouche sort. Ouais, le Congo, ça fait ceci. Ouais, non. Quand il va alors citer le nom de tous les bandits que tu as couché avec eux ici. Vous me connaissez, non? Vous êtes mes amis, non? Je veux tout dire. Moi, j'attends seulement que tu aies une femme. Fais pack. Fais kick. Le nom de prostitution. Oui. Maintenant, elle est le nom de Maëva. Maintenant, elle s'appelle Maëva. Dans son truc. Elle a mis le nom de sa pauvre petite copine. Attends, c'est ici que tout se passe, non? Mais oui. Donc voilà, ce que je voulais vous dire que moi tout à l'heure là, je veux partir. Et t'avises même pas d'arriver ici. Parce que c'est un danger pour toi. Je t'ai dit quand moi je veux te faire. Quand je veux te faire, tu vas dire non. Et puis les gens qui disent là, non, la veuve ne parle pas comme ça, la veuve ne dit pas comme ça, il faut aussi comprendre mon désarroi. Tu vis avec un démon dans ta propre maison, les portes qui claquent tous les jours, maman, la cuisine, la lumière partout. Elle t'est arrivée à un niveau où elle dit que je dois baisser ma télévision parce que ça la dérange quand elle dort. Elle écoute la télévision, mais vous croyez, vous voyez à tel point. Elle a voulu me fabriquer parce que quand elle sortait tout le temps, on lui disait que va lui faire ça, va lui faire ça. Elle va craquer, elle va quitter. Je ne peux pas craquer. Maintenant, allons faire alors comment?
Je te dis que ma maison, si elle est préparée, vous ne comprenez pas. La maison, si elle est préparée, je crois que c'est même plus bon. J'ai pris Dieu. Dieu habite dans cette maison. Je sais que toi-même, tu es la femme de Dieu, je suis la femme de Dieu, mais tu ne m'as jamais rien fait de mal. Mais j'ai vu ton vrai visage. Et je dis, et je redis à tout le monde que tout le monde qui va. Attends. Voilà, c'est bon. Elle est en bas. On appelle la police. Attendez, je suis obligé de couper parce que c'est la police. Hein.